Por la invitación. Mi nombre es Anayeli Hernández y estoy colaborando con la doctora Alma, que también está en este panel. Nosotras somos de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guerrero. Y les vamos a presentar en este caso las perspectivas de los cruceros turísticos, la situación de la isla de Cozumel, y específicamente lo que está sucediendo con la situación de Cozumel ante COVID-19. Entonces, de manera general, les vamos a presentar el panorama de cómo Cozumel pasó de 10 años de isla de cruceros y qué fue lo que pasó en este momento, que no tuvo actividad turística, al menos por un año, porque Cozumel es una isla de turismo especializado para cruceros. Entonces, de esto va nuestra presentación. Ok, gracias. Gracias. So we'll begin. And just for anyone else out there who's not speaking Spanish, I'll just say this is the path human mobility and tourism in the Caribbean in the context of the socioeconomic impact of COVID-19. How are governments coping? Mobilité humaine et tourisme dans la Caraïbe, dans le contexte de l'impact socio-économique du COVID, comment les gouvernements font-ils face? And one of our initial speakers is running late, hopefully, and will be here, so we're going to begin with Anayeli Hernandez-Gonzalez. Thank you. Go ahead. Buen día. A nombre de la doctora Alma Villaseñor Franco y una servidora, Anayeli Hernández González, presentaremos el tema de perspectivas de los cruceros turísticos en el Caribe Oeste, situación de la isla de Cozumel ante la COVID-19, en el marco de la conferencia ICASU, módulo Densidad, Diversidad y Movilidad, la ciudad en una era de riesgos en cascada. La dinámica territorial de los cruceros está configurada en los puertos de origen, las rutas trazadas por los cruceros en las escalas de los destinos en el Caribe. Esta configuración territorial se organiza y se distribuye en el espacio marítimo, en la que genera flujos de rutas de cruceros por todo el Caribe. Es así que los viajes en cruceros constituyen una modalidad de viaje en donde el espacio producido tiene una dimensión diferente a la de los viajes turísticos, debido a que ese espacio implica a la propia embarcación y a sus servicios, así como a la travesía, itinerario y a los puertos de origen y de escala. Por lo anterior, es como se ha ido conformando el territorio actual de la isla de Cozumel, con puertos especializados como un destino de cruceros en el Caribe. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el escenario actual del turismo de cruceros, así como la perspectiva de los cruceros en el Caribe ante la situación de COVID-19, en particular de la isla de Cozumel. Se expone el marco regional, las características de la actividad turística de Cozumel y su región, algunos datos sobre el turismo de cruceros y sobre la expansión de las rutas, con información de diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como las líneas de cruceros de Carnival y Royal, entre otras. A continuación, se detalla la información sobre el área de estudio y los efectos del COVID-19. Por último, se presentan las conclusiones y orientaciones futuras. En el caso de México, se tiene contemplado continuar con la actividad turística y para el caso de Cozumel, la actividad económica preponderante es el turismo de cruceros. Para develar la situación de Cozumel, se realizó un análisis de las rutas de cruceros con escala en Cozumel registradas en el año 2019. Además, se llevó a cabo una comparativa de las rutas ofertadas por Royal Caribbean y Carnival de acuerdo a las escalas y los días de navegación mediante los sistemas de información geográfica. Cozumel forma parte de una red de destinos en el Caribe. Su posición geográfica la ubica como un puerto de destino turístico. Es la segunda más visitada en el Caribe después de las Bahamas y el primer lugar a nivel nacional. A partir de 1990 se incrementaron los arribos de cruceros. Cozumel cuenta con 3 terminales de cruceros especializadas y se tiene contemplado un nuevo proyecto de terminal de cruceros. La población económicamente activa ocupada se basa en el sector terciario con casi el 90%.
de las cuales son actividades relacionadas con los servicios turísticos. Una de las principales actividades que se realizan en Cozumel es la práctica del buceo. Las inmersiones se realizan en el sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más grande del mundo. Sin embargo, la derrama económica que generan los turistas de cruceros en Cozumel es mínima en comparación con otros turistas internacionales. Generalmente, los cruceros ofrecen las actividades en tierra antes de que lleguen a la isla, por lo que la interacción de los cruceristas con las personas locales es mínima. En la última década, la isla de Cozumel tuvo un incremento acelerado en arribo de cruceros. Tan solo en 2019 se registraron más de 1.300 arribos y para el 2020, durante la pandemia, un total de 0 arribos. A casi un año sin poder navegar, los cruceros en todos los destinos turísticos, empresas como Royal Caribbean y Carnival, han anunciado su regreso bajo los lineamientos del marco para la orden de navegación condicional. El siguiente mapa muestra los primeros registros de casos de importación de COVID-19. El inicio es el 31 de diciembre del 2020 en la ciudad de Wuhan, China, y su distribución se da de la siguiente manera. El 13 de enero del 2021 se reporta el primer caso en Tailandia, 21 de enero, primer caso confirmado en Washington, Estados Unidos. Para el 24 de enero se confirman los primeros casos en Francia. El 30 de enero en Estados Unidos se confirma el primer caso transmitido de persona a persona. Y el 14 de febrero se anuncia el primer caso en Egipto y el primero en África. ¿Qué pasó con los cruceros? El crucero Diamond Princess tuvo casos confirmados entre sus pasajeros, por lo que fue atracado en la bahía de Yokohama y puesto en cuarentena. El crucero transportaba a más de 3.700 personas. Otra situación ocurrió el 10 de febrero. El crucero de Royal Caribbean zarpa de Bayonne, Nueva Jersey, y por sospechas de coronavirus se mantuvo atracado con sus pasajeros. Quedó en cuarentena hasta ser evaluados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para el 13 de marzo se suspenden todas las rutas de cruceros. Una vez que los países cerraron sus fronteras, los cruceros que estaban en navegación quedaron varados sin poder arribar a los puertos de origen ni a los destinos. La industria de los cruceros simplemente quedó en alta mar. ¿Qué pasó en México? El gobierno de México decidió no cerrar sus fronteras durante la pandemia. Tan solo en el año 2019, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, México se encuentra en el séptimo lugar y para el año 2020 se posiciona en el tercero, debido a la poca o nula restricción a los ingresos de los turistas internacionales. Bajo los lineamientos generales para la reactivación del sector turístico, en especial de los cruceros, los principales lineamientos se destacan como filtros sanitarios entre tripulantes pasajeros, proveedores, revisión con termómetro infrarrojo. Todas las áreas de embarque y aduanas serán limpiadas y desinfectadas con solución sanitizante, uso de careta y cubrebocas para todo el personal que tenga contacto con pasajeros y sana distancia de 1.5 metros, evitando el contacto. Comparación de 2019 y 2020, la situación de Cozumel. Durante el año 2020, la isla de Cozumel solo registró un total de 374 arribos de cruceros y casi un millón de pasajeros, y poco más de un millón de pasajeros, mientras que en 2019 arribaron un total de 1.369 embarcaciones y poco más de 4 millones de pasajeros durante todo el año. En el 2020 la isla dejó de recibir aproximadamente 1.5 millones de pasajeros y la pérdida económica se estima en más de 4 millones de pesos. Durante el primer trimestre del 2021, las entradas de turistas extranjeros, de acuerdo con las cifras de INEGI, el mayor número de ingresos y de gastos son los turistas con llegadas aéreas, seguido de los excursionistas que llegan vía terrestre, y por el contrario, no hay un solo registro de ingreso ni de gasto de los cruceristas. Conforme la pandemia avanzó, los destinos de cruceros comenzaron a quedarse vacíos. Como consecuencia, los empleos dependientes de las actividades turísticas fueron los más afectados. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las mayores caídas del empleo en general para el mes de julio del 2020 las encabezan estados como Quintana Roo, con una baja del 24%, y Baja California, con una baja del 10%. Por el otro lado, el porcentaje de casos acumulados por COVID
con mayor registro son los estados turísticos con destinos, son los estados con destinos turísticos. Los estados de Quintana Roo, Yucatán y Baja California permanecen con ciertas restricciones, pero permitiendo la entrada de los turistas y de los servicios. La reactivación de cruceros turísticos. Las navieras Carnival y Royal continúan ofertando Cozumel como parte de sus rutas por el Caribe. Una de sus propuestas es denominada la burbuja de viaje, dando la seguridad de que los cruceros son muy seguros para viajar, prometiendo a sus pasajeros no tener contacto con la gente local. Las principales fechas ofertadas por los cruceros son en los meses de noviembre y diciembre, que es la temporada alta, y se tiene contemplado para este año 2021 y para todo 2022 y para algunos casos ya en el 2023. El mapa muestra las posibles rutas por el Caribe con escala en Cozumel. Las principales navieras son Royal y Carnival, mostradas en color morado y color azul. La escala de grises representa el total de los casos acumulados de COVID, que en este caso es Estados Unidos el que tiene el mayor número de casos acumulados y que se distribuye por todos los destinos en el Caribe. El espacio marítimo y terrestre forman un todo articulado, de modo que aquel, como resultado del desarrollo tecnológico y de las fuerzas productivas, se convierte cada vez más en un espacio geográfico que avanza con el desarrollo turístico de las sociedades. Las actividades humanas se desarrollan de una forma progresiva en el mar, transformándolo históricamente en un espacio geográfico articulado con el terrestre. Los daños detonados por la pandemia de COVID-19 evidencian la dependencia del turismo de cruceros en la isla de Cozumel como consecuencia de las políticas económicas locales. La pandemia dio como resultado no solo la ausencia de los cruceros en la isla, sino de todo el turismo que, a diferencia del resto del estado de Quintana Roo, recibió una gran cantidad de visitantes que llegaron por tierra y vía aérea. No es posible evitar una desvinculación del turismo de cruceros al turismo en tierra, ante la presencia de la pandemia del COVID-19, pero sin mitigarlo. Para ello, es necesario vincular los protocolos de prevención de las empresas de cruceros con los puertos de escala que contribuyan con entornos turísticos de la actividad. Las nuevas medidas de los cruceros sobre la burbuja de seguridad acentúan la separación de los cruceristas con la gente local, ya que existía antes de la pandemia y que será intensificado con las nuevas medidas sanitarias, por lo que cada vez será más notorio la diferenciación territorial en la isla de Cozumel entre los servicios turísticos especializados en cruceros y la población local. El Gobierno de México insiste en continuar con las prácticas del turismo especializado de cruceros, a pesar de la poca derrama económica que se genera en la isla y que, debido a la especialización del turismo, acentúa la fragilidad de como destino turístico nacional. Cada vez más se configura Cozumel como un puerto conectado hacia el exterior, como un destino de cruceros, en lugar de dar oportunidad al turismo nacional. Gracias por su atención. Gracias, Ana Lady. Olivier, who's up next? Next, depend if Babinger, Frank no está listo. Podemos seguir con Jaime Aragón Falomir. Okay, just one moment. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cet événement scientifique. Je suis Jaime Aragón Falomir, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, et aujourd'hui nous allons parler de l'immobilité ou mobilité touristique dans la Caraïbe mexicaine en pandémie. Colonialité ou vulnérabilité? Je commence par une petite introduction. L'État mexicain n'a pas la capacité de demander un confinement strict, donc il a opté pour demander une distanciation sociale à la population. Il faut mentionner aussi que
seulement 25% de la population a exercé son travail à distance, ce qui rend presque trois quarts de la population dans une situation d'une grande vulnérabilité, notamment parce que la majorité travaille dans le secteur informel. Même si la frontière a été fermée pendant 2 mois, ensuite, l'État a autorisé l'arrivée des étrangers sans demander des tests PCR, des motifs impérieux ou sans exiger une quarantaine stricte. Parmi la population la plus vulnérable face à cette pandémie, il faut considérer la jeunesse entre 15 et 29 ans et ceux qui travaillent dans la construction ou dans la restauration. Mais quel est le contexte? La Caraïbe mexicaine est le troisième secteur pour attirer des devises étrangères du pays, après le pétrole et les transferts d'argent des migrants. Parmi ces revenus, la Caraïbe représente 30%. Il faut dire en plus que l'État de Quintana Roo, en vert sur la carte, dépend de presque 90% du tourisme, parce que ça fait partie de sa seule activité économique. Pour cela, je pose une problématique assez large que je tenterai de répondre tout au long de ma présentation. Dans quelle mesure le tourisme de masse apporte une amélioration de la qualité de vie de la population locale, alors que la crise sanitaire semble remettre en cause ce modèle touristique? Je divisais en deux ma présentation, d'abord un contexte, le tourisme de masse et les rôles de l'ONU, quelques définitions du tourisme et comment est-ce que la Caraïbe est devenue le nord du sud. Ensuite, on verra qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pandémie et comment est-ce que des aspects de ce tourisme de masse ont émergé pendant cette pandémie, notamment ce que je nomme la colonialité spatiale ainsi que la colonialité touristique. Il faut dire que l'ONU, depuis les années 60, a demandé ou a conseillé à la majorité des pays du tiers-monde d'investir dans ce qu'ils ont nommé, entre guillemets, l'industrie du tourisme. Cela est visible d'après la conférence à Rome où il demande d'avoir un double niveau d'installation, les uns pour les étrangers et étrangères et d'autres pour les nationaux, parce que les premières ont d'autres habitudes et d'autres modes de vie. Également, la population locale devait bien accueillir les visiteurs, ce qui était un facteur important. Donc, on voit déjà qu'il y a le début d'une future fracture sociale qu'on peut observer aujourd'hui. D'une part spatiale, parce que dans certaines villes, par exemple Cancun, qui est au cœur de la Caraïbe mexicaine, on peut observer l'extrême opulence des zones touristiques pour les étrangers, et d'un autre côté, on voit la marginalité appauvrie des villes en ville pour les nationaux, où parfois, ils sont même pas des services de base. Mais également, il y a une fracture sociale, parce que les conditions de travail sont asymétriques. On voit des travailleurs précarisés, racialisés, souvent d'origine maya, parmi d'autres critères sociaux, genre, âge, statut migratoire, entre autres. La définition du tourisme que j'utilise est celle de López et Marine, où il essaie de comprendre le tourisme dans un sens beaucoup plus large. Une économie liée à la mondialisation, au capitalisme et à la mobilité occidentale qui va produire et reproduire des espaces, significations, des expériences qui relient certaines dynamiques de production et de consommation des biens, aussi bien spatiaux que symboliques, où les lieux naturels et les cultures locales sont marchandisés, spectacularisés et folklorisés, entre guillemets, pour orienter les formes de consommation de ce touriste. La Caraïbe mexicaine est devenue donc le nord du sud, d'après un chercheur mexicain.
Parce que du jour au lendemain, il y a eu une explosion démographique, une grande spéculation immobilière complètement incontrôlée et dollarisée. Il y a un étalement urbain non planifié et anarchique, sans aucun sens écologique ou respect de tradition de la population originaire. Et en plus, il y a une volonté d'invisibilisation des travailleurs et des lieux d'habitat de ces derniers. On peut arriver à l'aéroport à Cancun et passer directement à la zone touristique sans observer les zones où les locaux vivent et cohabitent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de pandémie? Quintana Roo a à peine 2 millions d'habitants, ce qui représente 1,5% du pays. Mais parmi les licenciements suite à la pandémie, l'État de Quintana Roo représente lui tout seul 10% de tous les licenciements nationaux, c'est-à-dire 90 000 personnes au chômage. Suite à la pandémie, cet État a été donc le plus touché du pays. Cela sans mentionner d'autres emplois directs, 200 000 environ, et indirects, presque 400 000. Comme j'avais déjà mentionné, le Mexique a autorisé, a ouvert l'espace aérien international pour sauver l'économie, puisque je viens de vous mentionner l'extrême dépendance qu'il a vis-à-vis de cette économie. Et cette ouverture a été dans le respect des mesures sanitaires, également pour sauver la population. Le pays est devenu le troisième pays le plus visité du monde en 2020, tandis qu'il était dans la septième place l'année dernière. Tourisme et colonialité, pourquoi est-ce que je veux relier ces deux concepts? D'une part, parce que le tourisme est devenu ce que la chercheuse Omi Chen mentionne, une structure agricole de monoculture qui non seulement ne respecte pas l'environnement, mais elle a une forte rentabilité pour certains pouvoirs, et en plus, les travailleurs ne sont pas spécialisés, donc ils sont très vulnérables. C'est pour cela que je relie le concept de tourisme à celui de la colonialité proposé par Aníbal Quijano, chercheur péruvien, lorsqu'il parle de ces deux éléments. D'une part, la colonialité implique une classification, une hiérarchisation raciale en faveur d'un secteur blanc occidental, et puis une organisation selon les rôles productifs de chaque acteur dans la structure laborale. Donc on voit qu'il va y avoir ce double élément qui va rendre et légitimer, entre guillemets, toute une structure néocoloniale que pour lui, ça veut dire la colonialité. En plus de ce qui se passe dans les secteurs du travail, il faut aussi dire que les entreprises sont notamment des entreprises transnationales. Et en plus, les bénéfices ont tendance à revenir au centre des pouvoirs occidentaux. Cela parce que parmi les entreprises les plus importantes au Mexique, dans les secteurs de l'hôtellerie, l'Espagne compte avec 40% de chambres, les États-Unis avec 30% et le Royaume-Uni avec une vingtaine, presque 20% de cette capacité d'accueil. Si en plus on observe plus finement, on peut observer que dans les secteurs balnéaires, il y a deux fois plus d'entreprises étrangères que des entreprises mexicaines. Et si parmi les secteurs balnéaires, on observe ce qui se passe dans la Caraïbe, on voit que les entreprises étrangères sont trois fois plus nombreuses que les mexicaines. En plus, ce tourisme au Mexique est contrôlé par une vingtaine de familles espagnoles, la majorité originaire des îles Baléares, dans la Méditerranée, où ces îles sont devenues, d'après Jiménez, le laboratoire de la mondialisation du tourisme.
comprennent différents consortiums. Certains pourront connaître Rio, Melia, Iberostar, Barceló, Enage, parmi d'autres. Mes réflexions finales. On sait que ce tourisme de masse a détruit l'environnement, n'a pas respecté les ressources naturelles, puisqu'il a fallu les adapter pour le tourisme et pour le rendre un bien de consommation. Ce tourisme a détérioré aussi les tissus sociaux, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs problématiques de violence ou autres, parce que les inégalités sont très, très visibles. En plus, il y a une précarisation, parce que les conditions économiques sont très peu avantageuses pour la population locale, qui vivent surtout dans des situations difficiles économiquement parlant. Et en plus, il y a une forte concentration de bénéfices économiques qui vont finir dans les centres des anciennes colonies. Cela dévoile qu'il y a une forte vulnérabilité, une grande fragilité qui a tout simplement été dévoilée ou exacerbée par la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'avenir pour ne pas avoir que des éléments négatifs? D'après Benjamin et d'autres, il est impossible de revenir à la normalité. Il va falloir changer ce modèle, d'après d'autres chercheurs, pour un modèle plus durable et conscient, plus écologique, autosuffisant et surtout géré par la population locale. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes et j'espère qu'après cette pandémie, on pourra se voir en présentiel. Merci beaucoup. Okay, merci, très bien, Jaime. And let me ask, do we still have, is Frank Babinger or Claudia Inez Martinez here? I don't believe so. Just checking. In which case we will move on then to our third presentation by Olivier Deron, and then we'll have a discussion afterwards of all the talks. Thank you. Dans le cadre de cette étude, nous proposons une réflexion sur les enjeux autour de l'industrie de la croisière, principalement dans la Caraïbe, mais également dans le contexte un petit peu plus global de cette industrie. Pour commencer, un petit clin d'œil sur Venise, une destination bien éloignée de la Caraïbe, mais qui permet de bien mettre en évidence les paradoxes que l'on a autour de cette industrie du tourisme de croisière. La dimension gigantesque des paquebots, les apports que l'on attend sur le plan économique, et puis le retour, là ici, de la croisière en juin 2021, et les contestations face à ces navires, monstres des mers, qui reviennent dans la cité vénitienne. Une illustration sur la Caraïbe, ici avec des coupures de presse relatives à la situation de la Martinique. Nous étions au début de la crise en février 2020 et la population comprenait difficilement le décalage qui existait entre la situation de la croisière qui perdurait et les alertes sanitaires qui étaient lancées. Confusion, tension, cette situation s'est traduite par des manifestations de citoyens ou d'activistes, allant même jusqu'à bloquer le bus, le taguer, l'intercepter sur l'autoroute, le bus qui conduisait des touristes en provenance d'Allemagne et d'Italie à destination du port de croisière de Fort-de-France. Il devait s'embarquer pour une semaine de croisière dans les petites Antilles, une semaine de croisière sans escale, très paradoxal. Le tourisme de croisière et l'industrie de la croisière connaissaient une période d'expansion
très généreuse jusqu'à cet épisode de 2020, ce premier trimestre qui marque l'avènement de cette crise et l'interruption brutale de l'activité de la croisière. C'est alors la chute des valeurs boursières et la crise s'installe. La jeune histoire de l'industrie de la croisière peut être partagée en trois séquences successives. 1950-1990, c'est la période de la structuration et de la démocratisation de ce marché qui se diffuse à travers le monde. La seconde séquence, 1990-2020, elle est marquée par la massification et le gigantisme, la surfréquentation de certains lieux et ponctuellement des phénomènes de surtourisme qui seront décriés tant pour leur impact social que environnemental. Puis, nous avons cette période de crise que nous vivons actuellement, 2020-2023, une période charnière avec une remise en cause de ce modèle et qui va peut-être donner lieu en fait à des recompositions, donc vers un post-2022-2023. Une illustration du gigantisme ici, avec le paquebot Symphony of the Seas, 362 mètres de long, 66 de large. Un coût de 1,2 milliard d'euros, 8000 personnes à bord, dont 2200 membres d'équipage, 5 tonnes de carburant par jour, et toutes les animations possibles et équipements ludiques, récréatifs à l'intérieur de ce navire. Une véritable bulle festive, flottante. Le tourisme de croisière a connu une croissance accélérée au cours de la dernière décennie. Il n'était que 100 000 croisiéristes en 1970. Le cap des 10 millions de croisiéristes est franchi en 2004, puis celui des 20 millions de croisiéristes est franchi en 2013 et 25 millions en 2016 pour arriver à plus de 30 millions en 2019. Donc une croissance rapide, mais un effectif qui reste extrêmement faible à l'échelle de l'ensemble des flux touristiques à travers le monde. 3000 ports de croisière accueillent les paquebots à travers le monde. Premier bassin nautique du tourisme de croisière est la mer des Caraïbes, avec 35,4% de l'activité, suivi par la mer Méditerranée, 15,8%, puis la mer Baltique, 11,3%. Le tourisme de croisière se développe sur de nouveaux territoires, de l'océan Indien à l'océan Pacifique, en passant par la mer de Chine. Il s'étend également dans les périphéries, jusqu'alors ignorées, de la croisière, du pôle Nord au pôle Sud, de l'Alaska à la Patagonie. L'industrie de la croisière est contrôlée par quatre acteurs majeurs et historiques, au premier rang desquels Carnival et Royal Caribbean, quatre acteurs qui totalisent 83,3% des parts de marché. Donc ça, c'est une donnée essentielle qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre le fonctionnement de la croisière et ses enjeux avec les territoires d'accueil. Les chiffres, l'accès aux données officielles reste une difficulté pour mener des recherches dans le domaine de la croisière, sachant que les seules données disponibles émanent en fait des industries de la croisière regroupées en associations. Les documents officiels sur les retombées économiques de la croisière ne manquent pas. Elles sont largement diffusées et utilisées comme outils de propagande, pourrait-on dire, auprès des destinations pour les convaincre d'investir dans la croisière, tant les retombées seront bénéfiques et tant sur le plan des revenus que de l'emploi. C'est par exemple cette étude donc sur la contribution économique du tourisme de croisière qui est une référence pour la Caraïbe,
où l'on voit toutes les destinations avec les revenus obtenus et reproduits par les différentes institutions. Nous avons mené des enquêtes sur le terrain à partir de quelques destinations précises et nous sommes tout à fait en mesure d'affirmer que les chiffres annoncés dans ces études en fait sont très largement surestimés. En Guadeloupe, 90% des passagers descendraient pour faire des achats et on y apprend même que 41% des membres d'équipage descendent lors de l'escale pour faire des achats. Et à partir de là, nous avons toute une surestimation des retombées financières pour la destination. L'industrie de la croisière privilégie essentiellement des lieux fermés, à l'image de la destination de Nassau aux Bahamas, Paradise Island, une île entièrement aménagée pour le tourisme de croisière, de masse, sécurisée, réservée. Les croisiéristes apprécient particulièrement ces paysages, ces lieux disneylandisés qui donnent cette image de tropicalité dans un cadre entièrement sécurisé, entre soi. Le paquebot est au cœur de la croisière. Il est même devenu la destination. Cette bulle flottante dans un paysage de cartes postales où les clients, les croisiéristes, ces consommateurs, disposent à bord de tout ce qui est nécessaire pour un séjour festif, plein de divertissement. Privilégier des lieux fermés permet de garantir une double sécurité désormais. Une sécurité d'une part face à une petite criminalité éventuelle et d'autre part face à des enjeux sanitaires dans des lieux bien incertains. Il en résulte donc un doublement des bénéfices pour les compagnies de croisière qui finalement captent davantage leurs invités, lesquels restent à bord et consomment davantage dans les lieux privés appartenant aux compagnies. Une petite illustration avec l'île de Disney, donc la compagnie Disney qui possède cette île aux Bahamas, Castaway Cays. L'île a été entièrement aménagée, mise en scène pour accueillir les croisiéristes le temps d'une demi-journée. Une plage de rêve dans une ambiance de Disney. Une plage réservée aux enfants, l'autre aux couples sans enfants, et nous sommes dans l'univers de Disney, le temps d'une journée. La compagnie Disney n'est pas la seule à s'intéresser à ces îles privées. Toutes les grandes compagnies évoluent dans le même sens. Chacune veut ces îles à usage exclusif. C'est une tendance qui s'était engagée avant la crise sanitaire, mais qui se justifie et qui se renforce d'autant plus aujourd'hui qu'il s'agit de garantir la sécurité sanitaire des croisiéristes et, par la même occasion, de concentrer davantage les dépenses faites par leurs croisiéristes hors du navire. Le tourisme de croisière participe-t-il effectivement au développement de ces territoires d'accueil? Comme nous l'avons vu à travers les premières images, il y a une insatisfaction des populations locales qui sont très vite irritées par ce tourisme de croisière. Dans les faits, la négociation est difficile entre la puissance publique, qui est représentée par une quarantaine de petits États qui ont des attentes envers ce tourisme de croisière, et de l'autre côté des industries qui font bloc, qui partagent des stratégies identiques, tout en se concurrençant à la marge. Donc il y a un rapport de force très inégal entre les attentes des territoires d'accueil, les acteurs locaux, et le poids économique et les orientations choisies par les industries de la croisière. Lorsque l'on étudie le tourisme de croisière,
Il ne faut jamais négliger le défi environnemental. On a vu que les notions d'ordre économique sont à relativiser. Les apports réels méritent d'être revus. Par contre, les défis environnementaux sont bien établis et là, il y a des données à partir desquelles il faut qu'il y ait des réels progrès pour mieux préserver les territoires d'accueil et les eaux internationales aux abords de ces territoires d'accueil qui servent souvent de déversoir pour l'élimination de beaucoup de déchets provenant de ces bateaux. Pour terminer ce petit tour d'horizon, un regard sur la bourse et les placements financiers comme indicateurs. On y retrouve sur ces deux diagrammes la chute brutale qui a marqué le premier semestre de l'année 2020 avec l'annonce de cette crise. Et puis, progressivement, nous notons la reprise dans la valeur de ces actions, plus rapidement du côté de la Méditerranée avec MSC et graduellement, mais sûrement également du côté de la mer des Caraïbes. Donc l'industrie de la croisière annonce son retour. Nous verrons dans quelle mesure les négociations seront possibles avec les territoires d'accueil dans un contexte sanitaire où il sera demandé toujours plus de sécurité et donc d'exigence envers ces territoires hôtes. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas parlé français depuis longtemps, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des questions en français ou en espagnol ou en anglais? Nous avons 15 minutes pour une discussion. Et peut-être entre les présenteurs, vous pouvez discuter. And let me just begin. I'll say one thing in English, if I may, that all of your presentations raise fascinating questions about where to go now. Like, how do we move forward because of this incredibly heavy presence of the cruise industry and its economic impacts and its deficits as well and damages. And with the post-pandemic situation, where do you see the future leading us? I'll just float that as a general question, but let me ask Laura to, you can unmute yourself and go ahead and ask a question. Good morning, can you hear me? Hello, can I ask a question in English then? Okay, thank you very much for your presentations. They were all excellent and fun as well. My question is about the actual infrastructures that underpin cruise tourism. Where does the initiative to build them come from? Does it come from the public or the private sector? And let me give you a bit of context of where I'm coming from this. I'm speaking from the Cayman Islands, where there were discussions for more than a decade on building a cruise berthing. And once the contract was pretty signed, the local backlash was so strong that the public decided to withdraw, partly because of the local backlash, partly because of the anticipated effects of COVID. In your case studies, it seems that the infrastructures just were there and there was never a discussion with the locals on whether those infrastructures needed to be built at all. So could you tell me more about where the initiative to build those infrastructures came from? Thank you. Who would like to answer? Anybody? Olivier? Bueno, de parte de la ponencia de Anayeli y mía, de Alma Villaseñor, con respecto a lo que pregunta de quién es la infraestructura, espero que lo haya entendido bien,
Pues en general se dan las concesiones, en el caso de México, se dan las concesiones, se autoriza a que inviertan las empresas privadas y pues todas las ganancias son para las empresas privadas. Por ejemplo, el caso de Cozumel, ahorita se está construyendo otro muelle para más cruceros en un área natural protegida, que es al norte de la isla, donde se encuentran todavía pues parte de los arrecifes que están menos alterados. Entonces, la inversión generalmente es por las empresas privadas y hay algunos puertos de las escalas a donde no tienen acceso las poblaciones locales, salvo el caso el otro puerto, Anayeli, ¿cómo se llama? El del sur, Costa Maya. Bueno, hay otros puertos donde llegan, bueno, es de donde está como presentaron en el Caribe, llega el crucero y la población local no puede acceder a la infraestructura construída por las empresas de cruceros. Entonces, prácticamente, aunque sí se requiere esa inversión, pero es mínima. Y el caso también que presentaron de la isla Disney pasa igual en el mexicano, que se construyen parques temáticos semejando la cultura de México, pero no son originales. Bueno, ese es un comentario, no sé si contesté la pregunta. Sí, yo quiero añadir que in English we are in we have a big competition between the destination more and more. And the little state, also different cities in the same state, are in competition. And at this time, we have the initiative is bring by the cruise industry that stimulate competition between different public players. And as we can see during the Congress for the cruise in Miami, everybody come and try to give the best condition possible for the company. And that's mean more and more income, money for the company, and the territory lost money with this project. It's more and more competition, and the winner as a company. Like I saw, there are four different companies who control near all the market. Then they are very strong, and in front of them, this is a different country, and a lot of little interest, and everybody try to give to win something with a political project to show that they exit, because now they have this company who come to their city, but they never explain to the public, oh, they win this project. That means that they accept to give the water freely, and they accept also the trash of the boat without pay. They don't give tax. If they try to put a tax for the cruiser, they will move to another port. Then it's a lot of competition at this time with a very strong actor who has a cruise company. And with this time of crisis, we can see that they are more and more organized. And the project is the boat is the destination. And we spend in different location for local interest, but the first project for the cruiser is keep the passenger in the boat, and by the same thing keep a lot all the consumption of the passenger in the boat. This is very important. The strategy is selling the sea with some card postal landscape for divertissement of the tourist. Yeah, so I mean it's very unfortunate that we see this tight control but very big companies, a few big companies monopolizing the industry with a lot of power. And then as Jaime also pointed out, that within the national tourism industry, right, a few families control the profits and the benefits of any of the tourism related terrestrial land-based businesses, the hotels. And then we also find
governments in the Caribbean, especially, which are dominated by those same facts or economic interests. So then the question becomes, how do we struggle against that, right? How do we stop this kind of stranglehold that is so environmentally damaging and does not have social benefits for the people and the communities that are harmed by this kind of massification and marketization of the sea and Disneyfication of private islands? Does anyone have thoughts on how to overturn this mobility regime, I would call it? I think if we stay in the same model with mass tourism, mass concentration, it's only few people, national people or international, who keep the benefits of tourism. Then we need to really build another model with mass, more diffuse tourism, with a small capacity and with more in the local actor. It's really important to inverse the model. And perhaps this time of crisis, it's interesting because the local people more and more contest this model. And they realize that it's better for her to live with a little bed and breakfast, to have some tourists in the village. And it's better for all local economy, better than a bus with a lot of tourists traveling just for stop half minutes or 1 hour in a location. And is there any growth of like domestic tourism or diaspora tourism, return visitor tourism that's happening in any of the places you're researching that would maybe benefit those smaller businesses and more small scale tourism? En el caso de México se sigue trabajando para el turismo, perdón, del turismo de masas, y otro ejemplo de eso es ahora el desarrollo del Tren Maya, que igual se está planteando para sin estudios de origen destino, sin estudios de un análisis costo-beneficio. Entonces se está planteando desde fuera la construcción de este tren y combinarlo con los visitantes que llegan por aire, los visitantes de los cruceros, y hasta en ciertos casos se está replanteando la relocalización de las comunidades para establecerlos cercanos a las estaciones del tren. Entonces el mismo modelo se va a replicar con el Tren Maya. Okay, are there other questions from the audience? Or do, and if any of the presenters want to ask each other questions, that would be helpful too. Just one point for the diaspora tourism. We will have following panel, two people from Haitian country who will present the situation. We know that in the context of crisis, the diaspora are really important for support the country. Also, they stay the more return tourist, repeat tourism, and they come to the country even if the situation are not good. And they go back to their native country and they consume a lot on the local economy. For the local economy, then the impact is really important. And also in our little Iceland, even if it's only 200,000 people, that means that it's some local tourism. And during this crisis, we saw a lot of interest for domestic tourism. Even if the market is very little, this impact is very good for the country, because it's diffused all over the years and with more local consumption. Then we have some way that we can work on this way for improve the situation. Yeah, and I think
domestic tourists or diaspora tourists are more likely, as you say, to go to diverse places and also to eat locally produced food, right? And not to expect this imported American or international food. And that can also have cumulative effects on the local economy if there's more local food production that can be connected into that kind of tourist economy. And I'll just add, I think, interestingly, for the discussion of the cruise ships as kind of bubbles, secured bubbles, what is ironic about that is that the spread of the COVID infections was happening from those internally within those ships, right? And it was from the tourists, it wasn't the locality. And so it's like a myth, right? That somehow the cruise tourists will be protected in their bubble, because in fact, they're the ones bringing it with them. So it's the opposite, really. In fact, at this time, the company, the communication of the company explained that the security is in the bubbles and the sanitary risk is outside, because they have a lot of medicine of condition inside. They look all the situation, they follow with each passenger in the country, in the boat. They know where is it with a special bracelet or with the key of the room. They can follow everybody and they say, in the boat, you are in security. Outside, we don't know. And last summer, some tourists in Italia. When they go out of the boat, they must stay in a limited area. In the city. That means this limited area is a secured area, no sanitary risk. But one family go out of this area, secure area. At the final, it was forbidden for them to come back to the boat, and they let them in the city because they don't respect the sanitary border. And we can say that sanitary border mean, in fact, economic rest. With a limited area where we have the official seller in relation with the company, cruise company. That means in the past time, we say to the cruiser, be careful when you go outside, you arrived in some city in the Caribbean, be careful of the criminality. Then don't take a lot of money with you, be careful, stay together. And the passenger prefer go in the with the tour operators, they stay in group because it's more secure for them. At this time, this is both this criminality and sanitary risk, and the sanitary risk is outside. That means me for the cruiser company, I win everywhere, more and more. Yeah. Yes, and I on that tragic note, I think we've come to 11:30, which is at the end time of this session. Yeah, so thank you all for your insightful presentations and the important data sets and case studies that you brought to us for comparison. And I think it's really important to compare notes, right, across the different regions, across the different language areas, so that we can learn from each other. And I hope we find more positive ways to move forward after the pandemic. But unfortunately, it looks like more of the same. So thank you, and please do attend some of the other upcoming sessions, which will follow on from this one. Okay. Gracias. Thank you. Gracias. Merci. Gracias. Gracias. Thank you, everyone. Thank you.